Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien, diplômé en 2020 de la formation Game Design et Programming. Je suis actuellement chef d'entreprise dans mon propre studio, fondé juste après l'école, composé de 3 personnes à temps plein et de 2 personnes en temps partiel. On travaille dans le secteur de l'hypercasual, donc sur des jeux mobiles assez simples à destination d'un très grand public. C'est déjà l'équipe pédagogique qui a été très encadrante, sans qui j'aurais pas pu avoir les compétences que j'ai aujourd'hui, qui me permettent de gérer au mieux mon équipe et mon studio. Donc c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Et puis également, par exemple, le PFE, qui était le plus gros projet sur lequel j'ai pu travailler et qui m'a apporté une expérience vraiment considérable dans comment mener à bien un projet et beaucoup d'esprit d'équipe et beaucoup de compétences techniques aussi. Sans l'alternance, j'aurais pas monté ma boîte, c'est sûr. Parce qu'en fait, du coup, j'ai fait mon alternance dans 2 studios qui travaillaient sur des hyper casual. Et le deuxième m'a vraiment beaucoup plu. Et ça m'a montré en fait que j'étais capable de me lancer tout seul. Et ça m'a apporté énormément de connaissances, ce qui fait que maintenant, avec pour l'instant 6 mois d'ancienneté dans ma propre boîte, tout se passe pour le mieux. Donc sans cette alternance, je pense que je ne me serais pas lancé tout seul. Et du coup, grâce à la notoriété d'Izart, c'était plus facile de la trouver. Ça m'a aussi apporté énormément de réseaux. Dans l'hypercasu, maintenant, je connais vraiment beaucoup de monde. Même dans le jeu vidéo, en règle générale, je commence à connaître du monde. Et du coup, ce réseau-là, il est vraiment super cool. Donc, je remercie l'alternance pour ça. Si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est de travailler, de garder cette motivation. Parce qu'il faut vous dire que au début, peut-être que ça va être dur, mais après, ça en vaut vraiment le coup, en fait. Genre, si ce que vous voulez faire, c'est vraiment là-dedans, allez-y à fond, passez du temps, pas trop non plus, mais voilà, gardez un peu de temps libre, mais quand même, participez, travaillez à la maison et entraidez-vous, parce que c'est aussi ça, l'esprit d'équipe. Après, vous allez vous retrouver sur des projets en groupe et du coup, c'est bien de travailler avec des gens avec qui on s'entend bien, faites pas trop d'embrouilles, tout ça, mais voilà, travaillez, c'est hyper important, de la rigueur, de la motivation, c'est ça la clé.